Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Abonne-toi si jamais c'est pas encore fait. Clique sous la notification. Je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de te rendre libre géographiquement dans un premier temps, ok, pour que tu puisses voyager comme je le fais là. Aujourd'hui, je suis à Montréal. Je partirai à Miami. De toute façon, tu vas me suivre si jamais tu regardes les prochaines vidéos. Donc moi, si jamais j'ai pu le faire. Bah, tu peux le faire aussi, tu peux créer ton propre business avec Internet. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Ok, je suis parti de rien. À Évry, j'ai grandi dans le 91 aux Pyramides. J'avais un BEP et je l'ai fait. Ok, donc si jamais j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Ok, t'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Donc passons directement au sujet de la vidéo. Les barrières liées au racisme et quelles sont les opportunités que peut proposer l'entrepreneuriat par rapport à ça. Donc je fais cette vidéo suite à... une question que je vous avais demandé, de quoi vous voulez que je parle dans mes prochaines vidéos. Et cette question-là m'a été posée, j'ai vu qu'elle avait pas mal de j'aime. Donc du coup, je vais la faire. Bah, tu vois, ça tombe bien parce que du coup, j'aurais jamais pensé à faire une vidéo là-dessus. Ok, donc moi, première chose que je peux dire par rapport à ça. Ok, il y a du racisme. On est d'accord avec ça, on va pas se mentir. En France et partout, de toute façon, c'est comme ça, il y a toujours du racisme. Ok, il y a du racisme, c'est un fait. Maintenant, je ne veux pas faire une vidéo pour dire oui, oh, y a du racisme, oh là là, c'est la misère, comment on va faire, etc. Okay, je ne suis pas du genre à pleurer et je pense que c'est la même chose que tu dois, c'est le même comportement que tu dois avoir. Ok, il y a du racisme, c'est un fait. Maintenant, on va pas faire, on va faire toute une histoire. Maintenant, la question, c'est de savoir, ok, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu restes dans ton travail à te plaindre, ouais, c'est du racisme, ou j'en ai marre, ou ouais, j'essaie de trouver du travail, j'y arrive pas, etc. Pourtant, j'ai des diplômes, etc. Mais on prend toujours Jean-Jacques et pas moi. Ben, moi, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est sûr que ce sera de créer ton business. Ben, déjà, tu es sur une chaîne de business. Donc, sur l'entrepreneuriat. Donc, moi, déjà, qu'il y ait du racisme ou pas, je t'aurais dit, dirige-toi vers l'entrepreneuriat. Mais là, si en plus il y a du racisme, tu as du mal à trouver quelque chose, crée ton propre business, crée ta propre économie. Tu vois? Et en plus, après, quand tu vas créer ta propre économie, ben, après, tu pourras embaucher des personnes qui ont du mal à trouver du travail, peut-être parce que ce sera lié au racisme. Ok? Donc, oui, il y a du racisme et en plus, il y a quand même des gens qui arrivent à trouver du travail. Ok? Mais je suis d'accord qu'il y a du racisme. Donc du coup, je continue sur ce que je disais. Lance-toi dans le business. Dans le business, y a l'argent n'a pas de, il y a pas d'odeur, il y a pas de couleur. Ok? Si tu as de l'argent, tout le monde sera gentil, il y aura aucun problème. Ok? Donc quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a pas de problème de racisme parce que c'est toi qui crée ton business, c'est toi le responsable en fait. Donc tu n'as aucun problème, il n'y a pas de problème de racisme lorsque tu crées ta propre entreprise. Ok, à part peut-être sur des cas précis, hein, j'en pense à un en particulier là. Mais généralement, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu n'auras pas de problème de racisme. Si jamais tu as un bon produit, tu sais le vendre, eh ben, tu vas faire du cash. Tu vois, c'est la loi du marché en fait. Il n'y a pas d'autre loi. Tu as un bon produit, le marché il est content, il achète. Fin. Ok, donc moi maintenant, si jamais tu veux te lancer dans un business et que tu n'as pas trop de fonds, tu dis ouais, mais c'est chaud et tout, etc. Tu peux déjà commencer par un business en ligne. C'est pour ça que moi je parle beaucoup de business en ligne parce que je sais que c'est un business qui te permet de pouvoir commencer de zéro sans avoir beaucoup de fonds et qui te permet d'avoir des gros résultats. D'accord, tu peux monter à 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 000 euros par mois. Ok, j'ai plein d'interviews où tu vois les résultats des personnes, ils sont partis avec un business en ligne. Ok, donc. Si tu as des problèmes avec le travail ou tu n'arrives pas à trouver du travail, moi, je te conseille de te lancer dans un business en ligne, ok? Donc voilà, donc, de toute façon, tu as une formation qui est offerte si jamais tu veux aller plus loin, même si tu n'as pas dit le business et même si tu n'as aucune compétence sur Internet, elle est offerte et tu as toutes les stratégies que je partage avec toi pour pouvoir te permettre de te lancer, ok? Et si jamais tu es déjà coach, consultant, et que tu as déjà une expertise, que ce soit dans l'investissement, le trading, ça veut dire l'immobilier aussi, les relations hommes-femmes, la santé, etc. Et que tu veux travailler dans une entreprise, ben non, ça n'a pas de sens. Mets-toi à ton compte. Mets-toi à ton compte, lance-toi, ça ne coûte rien. Okay? Donc moi, j'ai une masterclass qui pourra te permettre de te montrer exactement les stratégies qu'il faut utiliser pour atteindre les 10 000 euros par mois rapidement. Donc si tu as faim et que tu es déterminé, regarde cette masterclass, inscris-toi, si le lien est juste en dessous. Et regarde la masterclass et implémente. Ok? Et si jamais tu veux que je t'accompagne, moi je t'accompagnerai à implémenter par la suite cette stratégie. Ok? Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette question-là, par rapport au racisme au travail et est-ce que l'entrepreneuriat offre
offre des opportunités par rapport à ça, ben oui, carrément. Ok, donc si tu hésitais ou si tu savais pas, je te dis fonce. Si jamais c'est, j'espère que tu as regardé la vidéo parce que quand même elle était pour toi. Donc tu mettras un petit commentaire, voilà, ce sera toujours sympa parce que j'ai quand même fait la vidéo pour toi. Ok, donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp, mon gars. Tu veux pleurer toute ta vie ou te plaindre?